en parler. Par ailleurs, il y a ces indications d'ordre pratique et technique. Vous interrogez sur la légitimité d'une chose. Vous répondez oui, elle existe. Deux, voici quelles sont ses causes. Et bien, c'est 100% de leur sujet. Regardez maintenant ce sujet de dictation. Peut-on mettre la raison au service du mal? Le premier qui bouge, il vient un samedi matin. Traitez ça. Peut-on mettre la raison au service du mal? J'ai une question sérieuse à poser. C'est la possibilité en quel sens? Est-ce qu'à votre avis, la question de savoir si c'est légitime de mettre la raison au service du mal peut se poser? Est-ce qu'on va poser sérieusement la question de savoir si un truc comme ça, mademoiselle? Vous voulez répéter ma question? Je ne vous demande pas de répondre. Je vous demande même pas de répondre. Répétez ma question. Répétez ma question. Excusez-moi, il y a une erreur dans le cours. Putain, le con.
Entouré par ses restaurateurs, il médite toujours. Mais cette année, le penseur a droit à tout un gommage, poudre de noyau d'abricot pour le nettoyage, cire pour atténuer les différences de couleurs et cire protectrice pour tenir le coup toute l'année. La statue est exposée au milieu du parc du musée Rodin. Elle passe son temps exposée aux intempéries et à la pollution. Les contrastes entre les patines vertes et noires en sont atténués et l'œuvre en devient moins lisible, d'où la restauration. Une restauration qui reste minimale. Sur les 20 reproductions du penseur de Rodin, beaucoup sont entièrement nettoyées pour revenir au métal brut. Objectif, retrouver l'aspect original de l'œuvre. En France, il garde la trace de son histoire après plus de 90 ans d'exposition dans les jardins du musée et 8 ans sur le parvis du Panthéon. C'est la ville de Paris qui avait organisé une campagne de dons pour acheter l'œuvre. Maintenant que la restauration est terminée, le penseur a tout son temps pour méditer. La prochaine restauration ne se fera que dans 10 à 12 ans.
l'exposition La saisie du modèle, Rodin 300 dessins, effectivement se donne pour but de montrer un Rodin dessinateur, mais Rodin dessinateur de manière autonome par rapport à la sculpture. Pour Rodin, le problème essentiel était de dessiner la nature, de dessiner ce qu'il y avait de vrai dans la nature, et pour lui, la nature, c'est avant tout le nu féminin. Il est confronté en fait à ce problème de comment dessiner un nu de façon non académique. Rodin doit inventer un nouveau dessin.